Raphaël Estève, je suis professeur au département d'espagnol de l'Université Bordeaux-Montaigne et donc je dirige Ameribère depuis 2017. Alors c'est Ameribère, donc c'est maintenant on dit oui, UR 3656, avant c'était des équipes d'accueil, donc ce sont surtout des hispanistes qui travaillent sur l'Espagne et l'Amérique latine et des lusistes qui travaillent sur le Portugal et l'Amérique latine et aussi l'Afrique lusophone et on a une italianiste. Elles sont un petit peu déclarées par le sous-titre de l'unité qui est politique et poétique des mondes ibériques et lusophones. J'ai un peu changé la fin pour la moderniser, mais on comprend l'idée. Et donc, en gros, on travaille sur quatre champs disciplinaires: la littérature, la civilisation, la linguistique et les arts visuels, répartis sur plusieurs zones géographiques, celles que j'ai dites tout à l'heure, c'est-à-dire l'Espagne, le Portugal, l'Amérique latine lusophone et hispanophone, et l'Afrique lusophone. Alors, sur le site bordelais, nos partenaires les plus fréquents, ce sont l'Institut Cervantes, qui est à Bordeaux Centre, cours de l'intendance, le cinéma Jean Eustache, le musée d'Aquitaine. Alors, c'était difficile de faire un choix entre on a beaucoup d'activités, beaucoup de manifestations, donc bon, je vais me centrer sur des manifestations ou des choses à caractère collectif. Donc, il y a une revue qui a émergé, on peut parler de ça, en 2020, voilà, qui en est à son 7e numéro, qui s'appelle Conceptos. Et sinon, peut-être je voudrais mettre l'accent sur, en dehors de toutes les manifestations qui sont très très nombreuses et très importantes, beaucoup de colloques internationaux entre lesquels je ne veux pas choisir, sur les projets individuels, région ou Écosse, hein, c'est un projet qui finance des mobilités entre les équipes d'excellence, entre par exemple la France et l'Amérique latine. Deux IUF successifs aussi au sein de l'unité, à un niveau plus individuel, voilà ce que je pourrais mettre en avant.